Bonjour Patrice. Bonjour. Il y a toujours des kiosques pour acheter la presse. Oui, bonjour à tous. Ce qui passionne la presse ce matin, c'est l'arsenal anti-violence, ou supposait-elle, hein, que le gouvernement a dégainé hier pour répondre aux casseurs qui, de samedi en samedi, mettent à sac. On va voir les bons titres. On n'a pas, mais vous inquiétez pas. Ah, on n'a pas vous les bons titres. Très bien, oui. Bon. Bon, il y a un petit souci, mais c'est pas grave. Continuez. ça va être un petit peu compliqué parce que je pensais m'appuyer sur certaines des images qui sont à la une des journaux. Alors, je parlais donc de ces casseurs qui mettent à sac les centres-villes de l'Hexagone tous les samedis. Changement de stratégie. Titre La Voix du Nord, on vire le préfet, on répète qu'on ne verra plus ce qu'on ne devait déjà plus voir. Tremblay, casseur de tous horizons, ironise peu ou prou Hervé Favre dans son édito ce matin dans La Voix du Nord. Alors à gauche, on s'en doute, cet arsenal est mal accueilli. Hein. Vous avez l'Humanité sous la plume de Michel Guillou qui évoque une réponse sécuritaire et Libération qui trouve que la réaction du gouvernement a un parfum orwellien qui déplaît à Laurent Geoffrin. Vive les bons titres, ils sont revenus. Certaines dispositions posent question, écrit Geoffrin. L'arrestation préventive, l'interdiction de manifester à certains endroits, tout cela peut donner lieu à des excès de zèle et surtout à une extension indéfinie qui peut s'appliquer à l'avenir à des manifs syndicales traditionnelles, s'inquiète le patron de Libération. Ça n'est pas du tout le bon titre que vous voyez, mais bon, on fonctionne de manière un petit peu artisanale ce matin. Voilà, alors, vous Libération. Imaginez bien, voilà, ça c'était la une de Libération, et on voit effectivement le visage sévère du Premier ministre, Édouard Hollande. Alors, vous imaginez bien que du côté... je ne sais pas ce qui m'a pris, Édouard Philippe. C'est pas grave. Il se passe que je connais Édouard Hollande. Vous êtes perturbé. J'ai tout mélangé. Alors... on revient donc à nos bons titres. Vous imaginez bien qu'à côté de tout ça, eh bien, le Figaro ne voit pas du tout les choses de la même manière. Hein. C'est un euphémisme. Comment ne pas approuver ces décisions, s'interroge Vincent Trémollet de Villers, tout en remettant en cause les choses en perspective. Les saccages jusqu'ici réservés aux marges et aux péripéties aux périphéries font jurisprudence, écrit-il. La rage décomplexée, l'attaque en meute, la destruction gratuite deviennent des pratiques sociales ordinaires, écrit l'éditorialiste, qui voilà le résultat d'une démission qui ne date pas d'Emmanuel Macron. Hein, dans ce domaine, comme dans tant d'autres, poursuit-il, le président de la République hérite de décennies d'accommodement et de déni, et à son tour, il a péché par naïveté. Le défi que lui lancent les casseurs l'oblige à faire la preuve implacable dès samedi prochain de l'autorité de l'État. Fin de citation. Alors, tout ça, mais sans doute n'est-ce pas un hasard, hein, tout ça donc intervient au moment où il était question de sortir en douceur de la crise à la faveur d'un grand débat qui aura fait croire à une illusoire pacification des esprits. L'atterrissage en douceur s'est raté, hein, lirez-vous ici et là. Le gouvernement a-t-il réellement envisagé que le grand débat suffirait à calmer les excités du samedi, demande Olivier Biscay dans Midi Libre. Tout ça pour ça, hein, serait-on tenté de dire, car l'épisode du débat national avait permis à Emmanuel Macron de restaurer en partie son capital confiance. C'est ce qu'écrit Nicolas Bétou dans l'Opinion. Et aujourd'hui, eh bien, le bénéfice politique qu'en avait tiré le chef de l'État menace de partir en fumée avec les gaz lacrymaux et les incendies des Champs-Élysées. Alors, Le Monde ne dit pas autre chose. Hein. Voilà Emmanuel Macron brutalement replongé au cœur de cette crise sans précédent dont il est, de par sa fonction, à la fois la cible numéro un et le pompier en chef, lirez-vous dans Le Monde, qui, comme pas mal d'autres titres, insiste sur l'urgence de réponses politiques et sociales à mi-chemin d'un quinquennat en suspens. Sinon, quelques mots pour finir sur Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Pour l'instant, il s'en sort plutôt correctement, mais on sent bien qu'après le fusible du préfet de police, bien, il est le prochain sur la liste. S'il veut conserver le moral, qu'il ne lise ce matin ni les Échos, ni la Nouvelle République. Dans les Échos, Cécile Cornudet rappelle qu'un arsenal n'est rien s'il n'y a pas un politique fort et constant pour l'actionner. Suivez mon regard. Et dans la Nouvelle République, eh bien, Olivier Pirot se fait on ne peut plus clair. Si Paris s'enflamme lors d'un nouveau samedi de violence, il n'y aura guère plus que le ministre de l'Intérieur pour servir de bouclier à Emmanuel Macron. Voilà, il est prévenu. Merci beaucoup, Patrice.